toujours plaisir. Merci Mathieu, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous sens pressé de partir pendant le groupe. En plus, vous avez de merveilleuses voitures. Ce club alpine aujourd'hui rayonne de tous ces beaux modèles alignés qui sont là. Je regrette qu'il n'y ait personne, mais ça mériterait évidemment beaucoup plus de monde pour venir se régaler et avoir devant leurs yeux tous vos véhicules qui chantent encore et qu'on peut reconnaître à la sonorité. Alors qu'aujourd'hui, dans le silence, souvent on est surpris d'une voiture qui arrive derrière nous. En tous les cas, vraiment très heureux de vous accueillir ici Rouet. Alors il est vrai, Gilbert est un natif du pays. D'ailleurs, il était à mon mariage, alors ça va remonter à quelques années. Hein. Ce qui veut dire qu'on a tous pris de la bouteille et des kilomètres. Voilà, donc ça fait partie de nos vies. En tous les cas, ce que je dis, c'est que vous allez traverser... Donc, Gilbert va prendre le micro 5 minutes, parce qu'après, donc, c'est lui qui va partir le premier pour ouvrir, pour voir si tout se passe bien. Et en fait, il va vous enlever des pierres qu'il y a sur la route, parce que comme il y a beaucoup de pierres, c'est lui qui va toutes vous les enlever. Donc, et s'il en reste, vous n'hésitez pas à le lui dire, hein, ce soir. Bon, messieurs, dames, bonjour. Merci d'ailleurs d'être venus si nombreux, ça nous fait très plaisir, parce que je vois que chaque fois qu'on organise quelque chose, on se retrouve toujours un bon nombre de voitures et pour nous, en tant qu'organisateurs, ça nous fait très plaisir. Bon, la 7e ronde du Rouet, c'est une balade, comme d'habitude, comme l'année dernière, non pas comme d'habitude, comme l'année dernière. Et on va aller dans les routes de l'arrière-pays, on va les passer Andon, Gréolière, le col de Blaine, Entrevaux, et puis on va aller midi, on déjeune au golf de Valbergue. Donc, soyez prudents, c'est surtout ce que je vous recommande. Respectez les limitations. Après, dans les petites routes, vous voulez vous amuser, non problème, c'est fait pour. Mais quand vous traversez les villages et les villes, soyez prudents, respectez les limitations de vitesse. Parce que, comme dit Mathieu, si vous passez à 30 à l'heure, ou c'est 30 à l'heure, les gens, ils vous font bravo, bravo. Vous passez à 50, ils vous jettent des pierres. Et ça se comprend. Si on a ce terme, je me régale avec ce terme. Ville vieille. Ah, tu vois, ville vieille, je te l'avais dit. Et on va vers la Jean-Raphaël et on arrive par la
spéciale du Chant Raphaël et on arrive au-dessus d'un trou. Ouais, quoi, là, quoi, on Raphaël. C'est ça, ouais, Raphaël. Ça, je connais. Le Chant Raphaël, on l'a au Monte Carlo, là. Tu as tout en arrivant sur un trou, t'as tout plein d'épingles. Je crois que t'as 11 ou 12 épingles. On s'est régalé. Ah bon? C'est quand je suis sorti la banane, j'ai fait comme la banane au rallye. Hein. Gilbert, regarde-moi. Thank you.
Mais voilà quoi. Il n'y a pas encore un maillot. Non, non, c'est juste les gaz d'échappement qui partent dans l'eau. Comme on dit, c'est le cordonnier plus le machin seul. Quand vous êtes mécano. Ouais. C'est pas drôle, sinon. Ah, c'est la vie. Ah, vous avez des ralliers aussi. Ouais, je fais un peu comme petit monsieur du Rosé. Un jeune avec une mégane là, il a roulé, j'ai roulé derrière. Non. Bon, ça tient le coup alors, super. Putain, c'est mis à chauffer, j'ai fait. Après, j'ai fait toute la calade, j'ai tout éteint. Je vais essayer. Vous avez pris le troupeau de moutons aussi? Eh oui, ouais. Ouais. On voulait faire mes cheveux, on a dit hop. On va pas engueuler, il y a trop de monde.